Kata d'origine Shotokan, le Tenno Kata fut composé par Gishin Funakoshi, secondé par son fils Yoshitaka Funakoshi, dans les années 40. Il comporte deux parties, la première, Omote, travailler seul, et la deuxième, Ula, avec un partenaire, donc un Kata Kumite. Il est relativement peu étudié de nos jours, voire plus du tout dans certains dojos de Shotokan, alors qu'il est un Kata du fondateur. On retrouve ce kata dans son livre de 1943, Karate Newman, dont les photos de la première édition montraient l'exécution par Yoshitaka Funakoshi et Shigeo Egami, fondateur du karaté Shotokai. Yoshitaka Funakoshi recherchait passionnément avec Egami à réduire le karaté à sa plus simple expression, en excluant toute forme de fioriture et ne retenant que l'essentiel, c'est-à-dire l'efficacité immédiate à coup sûr. Force, vitesse, précision, unité d'action corps-esprit, à travers des techniques les plus dépouillées en s'inspirant de l'état d'esprit martial japonais. D'apparence simple, le Tenno Kata est rempli de messages pour la technique, le corps et l'esprit. Il ne faut donc pas se fier à sa forme carrée de base, car il peut être un support pour travailler tous les principes supérieurs et profonds du karaté, et des arts martiaux en général. Il devrait donc reprendre sa place dans tous les dojos et être pratiqué par tous. Tenno Kata.